Bonjour tout le monde. Je vais parler de chats. <laughs> Donc euh, moi je suis un vrai, je suis un hipster. Euh, j'étais là à Lyon Science 2015 et j'étais venu parler de Lyon. Et euh, cette année pour Lyon Science 2016, dans un élan de même originalité, je vais vous parler de chats. Alors je sais ce que vous pensez déjà, tout le monde a déjà parlé de chats. Euh, Est-ce qu'il reste quelque chose d'original à raconter sur eux Mon pari aujourd'hui, c'est qu'au cours de cette présentation, je vais vous faire découvrir au moins un aspect des chats que vous ne connaissez pas. Alors, si j'ai l'air super confiant, là, comme ça, en fait, c'est parce que j'ai une carte de joker. Je ne vais pas vous parler de ce qu'on sait sur les chats, mais de ce qu'on ne sait pas. Je ne vais pas vous parler de science qui a déjà été faite sur les chats, mais de science qui reste à faire. En gros, je vais vous présenter deux hypothèses de mon cru sur les chats. Deux hypothèses pour lesquelles peu de données scientifiques sont disponibles, mais qui devraient quand même avoir le mérite de nous faire réfléchir sur ce qu'est que, véritablement qu'un chat. Parce qu'au final, un chat, c'est quoi bah, Un chat, euh, si on en croit notre euh, propre expérience, qui est de surfer sur Internet, un chat, c'est soit quelque chose de totalement mignon, soit quelque chose de complètement con. soit quelque chose de profondément, mais profondément chiant. Mais à bien y regarder, les chasses, ce sont aussi de fantastiques prétextes pour disséquer les mécanismes de l'évolution, et notamment ceux qui se mettent en place lors de la domestication d'une espèce. Parce que, alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que la domestication d'une espèce, c'est en gros ce qu'il se passe, grosso modo, avec de l'évolution normale, sauf que ce n'est pas le, la nature qui est aux commandes, c'est les humains. Bon, alors, quand les humains sont aux commandes, généralement, ça peut donner des trucs assez chelous, comme par exemple, évidence number one, le, le chihuahua. Alors. Pour comprendre un tout petit peu, il faut savoir, en faisant un résumé, mais vraiment drastique, un tout petit peu euh, simpliste, l'évolution, ça tourne autour de trois concepts clés. La variation, la transmission et la sélection. En gros, on part de variations entre individus, variations qui sont transmises aux générations suivantes, suivant les euh, lois de l'hérédité, si hérédité il y a, c'est-à-dire si l'individu survit, et... S'il arrive à se reproduire, en gros, s'il est réussi à passer à travers le tamis de la sélection naturelle ou de la sélection artificielle. Par contre, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que euh, ce qui se transmet héréditairement de génération en génération, ce ne sont pas que des variations. Un hein, tout ne change pas quand on se reproduit, et soudainement, deux chats ne vont pas donner des poireaux. Hein, généralement, ce qui se passe, c'est qu'on obtient un chat qui ressemble à ses parents, et d'ailleurs, donc l'essentiel. Des caractéristiques de ce chat, ce sont des caractéristiques qui sont restées à l'état ancestral, et malgré la succession des générations, en fait, ce qui se passe, c'est que une partie de ces caractéristiques peuvent rester totalement inaltérées et vont révéler le passé des espèces, donc notamment le, le passé des chats. On appelle ça des euh, caractères ancestraux, il peut s'agir de caractéristiques morphologiques, mais aussi des caractéristiques comportementales, et là on parlera d'instincts ancestraux. Ce qui m'amène à ma première magnifique hypothèse, les chats domestiques ont conservé des capacités ancestrales de mimétisme agressif. Alors je sais ce que vous pensez, c'est tout aussi capillotracté qu'invitable. En fait, ce que j'essaye de dire derrière cette, cette hypothèse, c'est que je pars d'une observation très simple et j'essaie de l'expliquer. Qu'est-ce que c'est que ce quinement ridicule. Alors c'est complètement con un chat, hein on est bien d'accord. Ouais, voilà. Donc un chat quand même qui queen comme une souris, c'est un petit peu paradoxal, non? C'est vraiment une preuve de la débilité des chats. Eh bien peut être pas en effet il y a quand même un constat qu'on peut réaliser ici c'est que ce genre de couinements sont réalisés par les chats uniquement ou quasi uniquement quand ils sont en face d'oiseaux ou d'insectes qu'ils scrutent au loin. eh bien mon hypothèse c'est que les chats imitent les oiseaux pour les attirer près du sol afin qu'ils soient plus près et plus faciles à attaquer. donc ce comportement reviendrait à du mimétisme. Agressif, qu'on peut observer un tout petit peu chez différentes espèces. C'est une technique qu'on trouve souvent dans la prédation. On peut le retrouver par exemple chez la baudroie des abysses qui utilise un leurre lumineux, ou bien encore chez certaines espèces de serpents comme les vipères de la mort qui vont attraper leur proie en les attirant grâce à leur extrémité caudale, l'extrémité de leur queue. Alors, bon, je, je, je conçois que mon hypothèse elle est un tout petit peu saugrenue des, des chats qui imitent des oiseaux. Et heureusement, il existe d'autres hypothèses. Le comportement qu'on a vu tout à l'heure, de petits couinements, ça pourrait être tout simplement une réponse à un pic d'adrénaline, ça pourrait être une vocalisation de la frustration, ou bien ça pourrait être encore tout simplement une anticipation de la capture. Cependant, il existe deux récentes études qui me font penser que mon hypothèse n'est pas totalement son fondement. La première hypothèse... Enfin, pardon, la première étude, euh, c'est euh, Viviane de Syllabus qui nous en parlait dans, dans, dans une de ses vidéos et qui révélait que les chats sont capables, lorsqu'ils veulent solliciter leur maître, d'intégrer à l'intérieur de leur ronronnement des composantes aiguës qui correspondent pile poil à l'intervalle de fréquence du cri d'un bébé humain. On va entendre ça On va entendre ça, s'il vous plaît Sinon... Ça, c'est un ronronnement normal. Vous, vous le. C'est chiant. Hein euh, voilà, donc en fait, on s'est aperçu que ce ronronnement spécial, c'est particulièrement efficace pour attirer l'attention de leur maître. C'est vraiment génial comme manipulation. Deuxième étude, cette deuxième étude a étudié un comportement de mimétisme agressif chez d'autres espèces de félidés et c'est une équipe brésilienne notamment qui a observé que chez les marguets, un petit félin amazonien qu'on peut voir ici, on a observé une imitation du tamarin bicolore afin que ceux-ci se présentent près du sol pour être plus facilement attaqués. Et interroger les populations locales ont même affirmé avoir déjà assisté à de tels comportements de mimétisme agressif chez d'autres espèces comme le puma, le jaguar ou l'oslo. Alors, si cette capacité d'imitation est déjà présente chez le chat domestique, et si on est capable quand même de voir déjà du mimétisme agressif chez le margay? Et chez d'autres félidés, est-ce que ça ne pourrait pas vouloir dire que le couinement ridicule des chats est en fait un vestige, un comportement ancestral de leur passé de chasseurs-imitateurs? Alors, on est entre scientifiques, là, on ne devrait pas s'arrêter là. Hein, normalement, on devrait aller un tout petit peu plus loin, euh, essayer de tester nos hypothèses, mais comme on m'a annoncé que j'avais que 15 minutes et que c'est un petit peu short pour pondre une thèse, on va passer directement à ma deuxième hypothèse. La présentation anale est un caractère néothénique destiné à l'amélioration du microbiome des chats. On va, on va décomposer, hein, je, vous, je vous rassure. On, on va d'abord euh, comprendre qu'on doit quitter le, euh, le concept tout simplement de, euh, de caractéristiques ancestrales pour s'intéresser, dans cette deuxième hypothèse, aux caractéristiques qui changent au cours de l'évolution. Et là, notamment, qui changent au cours de la domestication des chats. Et... En fait, ce qui arrive, c'est que lors de la domestication, la plupart des caractéristiques qui changent, généralement, empruntent le mécanisme de la néothénie. Alors, la néoténie, qu'est-ce que c'est bah, C'est une forme particulière de l'hétérochronisme, qui est un ralentissement ou l'absence d'acquisition de caractéristiques adultes chez une espèce. Ça veut dire que cette espèce conserve des caractéristiques à l'état larvaire ou juvénile ça peut être des caractéristiques morphologiques comme on peut le voir par exemple chez l'axolotl, c'est cette magnifique bestiole qui ne se métamorphose pas pour se reproduire. Ça veut dire que donc elle va conserver des caractéristiques morphologiques larvaires comme par exemple ces magnifiques petites branchies qui n'apparaissent pas normalement chez les salamandres adultes. Et puis d'autres biologistes ont déjà pensé que certaines caractéristiques humaines pouvaient être pouvait relever de la néothénie, c'est par exemple le zoologiste Adolphe Neff qui, en 1926, avait vu un parallèle, par exemple, entre la morphologie des humains et celle des chimpanzés juvéniles. Alors, je sais plus ce que je voulais dire. Oui, le, euh, le, le fameux, euh, la plus grande expérience qui a prouvé le rôle de la néoténie dans la domestication, ce sont les fameux renards de Dmitri Beliaev qui a fait une expérience de domestication de renards sauvages de Sibérie. Donc euh, Dmitri Beliaev, un célèbre biologiste russe, et ce qu'il a réalisé en fait, ce, ce célèbre euh, biologiste russe, c'est qu'il est parti d'une population sauvage de renards qu'il a domestiqué en moins de 35 générations. Et le seul critère de sélection qu'il utilisait pour choisir quels sont les renards qui allaient se reproduire entre eux, c'était s'ils n'étaient pas agressifs. L'absence d'agressivité. Eh bien, au bout de 35 générations, il a obtenu une population de renards non agressifs, mais qui présentait tout, au, tout, tout un panel de caractéristiques juvéniles, comme par exemple des oreilles tombantes, une queue courte et relevée, etc. etc. Bref, tous les raisons, en fait nécessaires pour faire un renard kawaii. Alors, ce qui est intéressant dans cette expérience, c'est que c'est très très facile de voir les caractéristiques néothéniques. On les voit parce que tout simplement, on a documenté le, la transformation de renards sauvages. À renard domestiqué. Mais euh, on, on a fait, on fait, en fait, on a vu l'évolution en train de se réaliser. Mais quand on doit caractériser des, caractér des, des, des compétences néothéniques chez d'autres espèces et qu'on n'a pas fait ce genre d'expérience, bah, c'est beaucoup plus ardu. Ben, ce n'est pas ça qui a empêché de euh, trouver énormément d'hypothèses de comportement néothénique chez les chats. Par exemple, premier euh, exemple de comportement néothénique euh, supposé chez les chats, est-ce que vous saviez que... Avec les chats, on peut les désactiver en leur pinçant le cou. Donc voilà, vous mettez une pince sur le cou d'un chat, bam, vous avez un chat désactivé. Donc c'est pl plutôt pratique. Hein. Euh, ça s'appelle la clipnose, et certains voient derrière ce comportement en fait un comportement néoténique, c'est-à-dire le prolongement d'une caractéristique juvénile, puisque si vous vous rappelez bien un peu du comportement des chats, la mère chat va brinqueballer sa marmaille qui ne peut pas se déplacer toute seule en les prenant. Avec la bouche en leur pinçant le cou, et le chaton réagit immédiatement face à, ce, à, ce, à cet influx, à cette, ce pinçage du cou, en se recroquevillant la queue entre les jambes. Alors, donc ça c'est bien, ça pourrait être un comportement néoténique, et on observerait la même chose chez les chats adultes. Cependant, il y a des informations conflictuelles avec cette interprétation. Bah, par exemple, vous faites la même chose sur le chat, mais vous ne visez pas le cou, vous visez partout ailleurs, ça marche quand même. Donc on est capable de faire de la clipnose simplement en mettant des pinces sur le dos. Ça, ça jette un petit problème. D'autre part, la clipnose marche chez d'autres mammifères légèrement plus gros, comme par exemple une vache. Et alors là, la maman vache ne transporte pas les, les veaux comme ceci. Et d'autre part, ce comportement-là, il est exploité lors des relations sexuelles par les chats domestiques et d'autres félidés, comme par exemple les lions. Donc, ce qui laisse supposer qu'il y a quelque chose d'un petit peu plus compliqué que la simple explication néothénique pour, pour euh, comprendre la clipnose. Autre exemple le patounage des chats. Tout le monde, tous les propriétaires de chats savent ce que c'est que le patounage de chat. Enfin, voyons. Euh, le patounage des chats, bah, c'est tout simplement les chats qui, sur n'importe quelle surface, vont en ronronnant euh, patouner, c'est-à-dire faire des mouvements successifs avec leurs euh, leur pattes avant, pour euh, nous, on comprend, euh, parce qu'ils sont contents en fait. Ils vont faire ça sur les canapés, ils vont faire ça sur les couettes, ils vont faire ça sur les genoux, qu'ils vont profiter pour massacrer avec leurs griffes. Bref, euh, le patounage des chats. Est-ce que ça pourrait être un comportement néothénique bah, Certains y voient un comportement néothénique parce que les chatons utilisent de tels mouvements quand ils sollicitent la montée de lait de leur mère. Donc en effet, là on voit un comportement qui est présent chez le juvénile et qui devrait se prolonger chez l'adulte, sauf que ce n'est pas associé à des tétons, c'est juste associé à un bien-être. Mais il y a d'autres hypothèses alternatives qui permettent d'expliquer ce comportement. Par exemple, les chats, peuvent, euh, les chats sauvages peuvent présenter un tel comportement lorsqu'ils préparent leur litière, lorsqu'ils préparent leur, euh, leur terrain pour pouvoir s'endormir, notamment en aplatissant les feuilles sur lesquelles ils vont s'endormir. Autre comportement euh, qui pourrait expliquer cela, en fait, les coussinets avant, des, des pattes avant des chats domestiques, sont bardés de glandes à phéromones. Donc au lieu de solliciter la montée de lait, en fait, le chat est simplement en train... De marquer son territoire. Et d'ailleurs, autre fait marquant, il euh, n'y a pas que les chats domestiques qui patounent, les lions patounent aussi. Donc, ça jette encore un tout petit peu d'ambiguïté sur l'interprétation de ce comportement comme un comportement néoténique au moment de la domestication des chats domestiques. Du coup, vu que tout le monde se met à mettre des hypothèses de néoténie, etc., bah, pff, moi, je choisis de mettre la mienne, il hein. n'y a pas de raison. Donc, je mets la présentation anale. Qu'est-ce que ça veut dire bah, Tout simplement, j'essaie d'expliquer de, un comportement que mon chat fait souvent. Pourquoi, mais pourquoi me présente-t-il si fièrement son anus Alors, en quoi, moi, j'ai trouvé un lien avec un comportement néothénique Attention, là, on va mettre de côté le côté kawaii, hein, parce que tout n'est pas mignon dans le chaton. Euh, sachant que les chatons réalisent une présentation anale face à leur mère, pourquoi pour stimuler la défécation, parce que la mère va lécher l'anus du chaton pour stimuler la défécation, ou bien pour nettoyer l'anus juste après la défécation. Donc, si on suit ma logique, et que c'est un comportement néoténique, et que notre chat adulte nous présente son anus, quel est le message qu'il essaye de nous faire passer Lèche-moi l'anus vous voulez des hypothèses alternatives Je sens que vous voulez des hypothèses alternatives. Bon, bien sûr, il y en a. Ne vous inquiétez pas. Ça peut être tout simplement une sollicitation pour une relation sexuelle. <laughs> ou bien, ou bien bon, si on trouve, il y a aussi le fait que bah, l'anus est bardé de, euh, de, de glandes à phéromones. Et donc, tout simplement, on est en train de se reconnaître entre copains. Il nous invite à nous faire un Give Me Five, sauf que chez les chats, c'est renifle moi le fion. C'est pareil, finalement. Donc. Là, on a compris pourquoi c'était un comportement néoténique, mais j'ai laissé une autre partie de mon hypothèse, parce que, en fait, mon imagination scatologique n'a pas de limite. Parce que moi, quand mon chat me présente son anus, je ne m'arrête pas juste à trouver une hypothèse néoténique. Je pense à une vidéo qui m'a un tout petit peu choqué, que je vous présente tout de suite, de cet éléphanteau qui va goûter le contenu rectal de sa mère. Et alors, cette magnifique vidéo, c'est en boucle, c'est un GIF animé, c'est ça qui est merveilleux. Donc, et je vais rester longtemps sur cette diapositive. Donc, l'hypothèse derrière ça, c'est que, en fait, ce comportement chez l'éléphanteau, il n'est absolument pas aberrant. C'est quelque chose de crucial pour sa survie, puisque lui, il est en train de collecter des bactéries dans l'ampoule rectale de sa mère pour pouvoir ingérer de manière plus efficace ces aliments. En effet, les bactéries maternelles sont beaucoup plus efficaces pour puiser les nutriments de son alimentation et du coup, ce que réalise l'éléphanteau, en fait, c'est une transplantation fécale, quelque chose qui existe d'ailleurs en tant que thérapie chez les humains. Et donc, bon, chez les éléphants, ça se passe comment Bah, ça se passe de l'anus de la mère vers la bouche de l'éléphanteau. Moi, je ne vois pas pourquoi chez les chats, ça pourrait pas se passer de la bouche de la maman vers l'anus du chaton. Et du coup, on a à la fin de mon hypothèse, c'est que ce comportement permet de tout euh, simplement euh, rendre la, la, la les bactéries du chaton en meilleur état. Donc, on a fini avec mes hypothèses un petit peu tirées de mon cul. On va passer maintenant juste à la conclusion pour vous rappeler que toutes ces hypothèses ne sont... Que des conjectures. Même si elles ont l'air vachement pertinentes, même si elles ont l'air vachement logiques, même si elles ont l'air supra-cool, ce ne sont que des conjectures. Et il y a un travail monumental maintenant à réaliser de recherche scientifique, de tests préliminaires, de recherche en laboratoire, de recherche dans le terrain pour essayer de valider cette hypothèse ou de la réfuter. Bah oui, parce que cette hypothèse, même si moi je la kiffe, elle peut être réfutée et ça reste pourtant. La beauté de la science. Parce que la beauté de la science, c'est qu'on va se poser des questions What the fuck On va tout faire dans notre possible pour dire ⁇ Je ne dis pas de conneries ⁇ je ne dis pas de conneries ⁇ je ne dis pas de conneries ⁇ Si ça que qu'on dit des conneries, c'est n'est pas grave. Si ça s'avère qu'on n'a pas dit de conneries, c'est tant mieux. Le plus important, c'est de se poser des questions. Alors bien sûr, moi j'invite n'importe qui à faire ce travail sauf moi. Et moi je suis juste content parce que je suis arrivé ici pour vous pro proposer toutes mes hypothèses Strange and Funky. Et je vous remercie.